Yo les gens, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de The Last of Us avec l'épisode 3. On incarne Abby et elle est vénère. Ah, elle est vénère. Eh Abby, t'es vénère ou quoi? Ouais, elle est vénère, ouais. Donc c'est parti. Donc là-bas, déjà j'ai vu qu'il y avait des claqueurs. Des claqueurs, des rôdeurs, je crois. Ou des coureurs. Donc on va essayer de faire attention à ça. Déjà, il y en a un là-bas, ok. On a un kit et des balles. Super désaffecté. Oh putain. Putain merde, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Oh. Attends, y en a combien? Putain, c'est quoi, putain. Ah, ça commence direct. Ah si, je trace, je cherche même pas, je trace. Je regarde même pas derrière moi. Trace. Putain, mais y'en a partout. Bordel! Oh putain, ce délire, laisse tomber mon pote. Ah vas-y putain, ça commence direct, ils sont malades ou quoi là. Oh, y'en a encore là. Ah, casse-toi. Oh putain, bah non, c'est pas le bon plan. Bah, je peux pas les combattre, maintenant. Bah, oh putain. Casse-toi. Je sais pas où aller. Attends, elle est où l'issue? Ah, ici. Vite, crame. Casse-toi. Là. Non, pas par là, putain. Casse-toi, t'as pas le temps, casse-toi. C'est un délire. Putain, casse-toi. Joël le sauveur. Wouah, c'est stylé. Putain, y'a pas un objet là? Si, j'ai bien vu. On s'en fout. L'important c'est de se casser d'ici. J'ai pas de meilleure idée en tout cas. Hé, hey, t'as un flingue? Ouais. J'espère que tu sais t'en servir. Te laisse pas distancer. Faut qu'on prévienne les autres. Et qu'on revienne avec des renforts. Avant ça, faut déjà qu'on survive. Surveille les fous. Putain, je suis trop dedans là. C'est quoi ces conneries là? Putain de merde! Les têtes, mon pote. T'as l'action de fou. Putain, l'action de fou. Là-haut, la fenêtre. On sort par là. Y'a un moyen de monter. Là, utilise ça. Hé, hey, toi.
Ah bah attends, je t'adoue, attends, j'arrive. Faut la foutre sur le chariot. T'as l'ambiance de malade, les gars, l'ambiance de malade. Je déplace la nacelle jusqu'à la fenêtre. Compte sur vous pour me couvrir. Ah, il a ramassé ma... Comment ça, claqueur? Oh putain, claqueur. Non! On est déjà mort, putain. J'étais pas prêt. Honnêtement, j'étais pas prêt. J'étais pas du tout prêt, putain. Pour frapper un claqueur est inefficace, éviter les attaques à distance. Ah ouais, la tête, ouais, mais... Ok. Wouah, putain de sa race. Putain, il arrive par où? Putain, Joël, t'es trop chaud, mec. T'es trop chaud, mec. Putain, le claqueur, il est où? Wouah, stylé. C'est bon, on l'a eu. Merde! Tu veux que je vienne essayer? Je m'en charge! Toi, repousse les infectés! Putain, mais casse-toi! Putain, j'ai du mal avec les esquives, j'ai du mal. Joël, tu viens, tu fais quoi là? Non, Joël, faut qu'il vienne. Je vais t'aider. Reste à côté de nous. J'ai bien fait de garder mes balles. C'est par là. Allez. Surtout ralentis pas. Oh, Joël! Par ici, vite! Hey, moi c'est Tommy. Lui c'est Joël. C'est quoi ton nom? Abby, tu vas bien? Ouais. Putain, la horde. Faut faire demi-tour. On pourra pas cavaler jusqu'à Kherson. Il faut barricader cette porte. Tommy, on peut pas rester ici. Les chevaux tiendront jamais jusque-là. J'ai des amis qui habitent dans une maison vers le nord. Elle est barricadée et on contrôle le périmètre. Le domaine Baldwin. On peut y arriver. Ok. Je m'occupe de la porte. D'accord. Tu viens avec moi. Allez. Allez. J'ai pas envie de fouiller là. Je vous dis, j'ai pas envie de fouiller là. Elle, c'est trop bien fait, l'action est trop bien. Putain. Bravo, putain. Bravo ce qu'ils ont réussi à faire là, c'est incroyable. Incroyable. J'hallucine. Et celle-là? Quand j'avais 12 ans, j'ai trouvé un skateboard. Oh oh. Et j'ai essayé de monter dessus. Et il s'est barré 5 mètres plus loin sans moi. Mais pourquoi t'as cette cicatrice? Je suis tombée sur mon couteau. Ok. La brûlure là. Oh. Je l'ai fait exprès. Pourquoi ?
cacher une morsure. Juste là. Quand j'avais 14 ans, un infecté m'a mordu. Et... En fait, je suis... immunisée. Alors, j'ai eu une putain de cicatrice, avec des traces de dents, des kystes et... Aïe ! T'es chiante. Quoi ? Moi, je t'ai raconté une histoire vraie. Mais moi aussi, c'est une histoire vraie. Tu veux que je te morde ? T'as entendu ? Jessie ? Oh, merde. Reste où t'es, d'accord ? Tout va bien ? Non, attends deux minutes ! Mais retourne-toi, bordel, mais qu'est-ce que tu Putain, fous ? Putain, c'est une blague. Vous étiez censé patrouiller. C'est le blizzard dehors. C'est de la weed ? Qu'est-ce que tu fais là ? Vous savez que des gens comptent sur vous. C'est important ce qu'on fait. Alors pourquoi t'es pas au poste de guet ? Parce que Tommy et Joël sont pas venus. Comment ça ? On les a attendus pendant une heure. Je cherchais leurs chevaux et j'ai vu la lumière. Ils sont peut-être entrés en ville. Sans se faire remplacer, je crois pas. Est-ce que t'as couvert beaucoup de terrain ? Non, pas beaucoup. Alors on se sépare. On prend des directions différentes. On peut couvrir le secteur en quelques heures. J'aime pas vous laisser seul. C'est dangereux ici. Justement, et si ils ont besoin d'aide ? D'accord. Je vais vers l'ouest, Dina va vers le sud, et toi vers l'est. Mais pas de conneries, ok ? Ok. C'est un putain de jeu d'action, film d'action, ce que tu veux, il déchire. Tu nous as fait peur. Vous allez bien ? Ça va. Merci. Ouais. Hey, je peux te parler une seconde ? Vous voulez qu'on décèle vos chevaux ? Non, alors, on va pas s'incruster. On partira dès que la tempête sera finie. Vous avez des brosses, des serviettes, tout ça ? On peut dire que t'as de la chance. Plus que tu l'imagines. D'où vient votre électricité ? Et où t'étais passé, merde ? Il y a des panneaux solaires sur le toit. Et c'est qui, ce type ? Et vous êtes là depuis longtemps ? Non, depuis hier. Hier ? Ouais. Et qu'est-ce que vous faites dans le coin ? Rien, on fait passer. Et vous ? Vous habitez par ici ? Ouais, quelques kilomètres plus bas. Vous devriez rentrer avec nous et faire le plein avant de partir. C'est sympa. Au fait, moi c'est Mel. Tommy. Et lui c'est mon frère. Joël. Comment ils le regardent tous, je m'en doutais que ça pue la merde. Quelque chose me dit que vous nous connaissez déjà. Ouais, on te connaît. Nora, c'est bon ? Il est HS, mettez-le contre la vitre. Tommy ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Oh. Son genou, putain, sa mère. Non. Non, 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 non. Puta madre. Joël Miller. Devine.
Récite-moi le discours que t'as préparé pour l'occasion. Finissons-en. Mon cœur y bat à 10 000. Sa jambe. Allez. Soigne sa jambe, tu veux. T'as pas intérêt à bouger, putain. Écartez-vous. Non mais ils sont pas bien ou quoi là? Putain, j'en peux plus. C'est la première fois qu'on est dans une telle merde quoi. Putain. C'est quoi ces conneries là? Putain. Là, je vous jure, mon cœur il bat je sais pas combien. Pitié, fais pas ça, putain. Pitié, fais pas ça, c'est ce qu'on voit dans les trailers, putain. Oh putain. Je suis pas bien, j'ai la voix qui tremble et tout, c'est horrible, putain. Ah, j'y vais pas. Bon bah let's play s'arrête ici les gars, j'arrête. Comment je me sens pas bien. Sois pas mort. Joël ! Tommy ! Et vous voyez, j'ai pas envie que ça se passe mais j'y vais quand même parce que... Putain, je sais que ça va se passer quoi. Je revois l'image de son genou là, mais vous êtes malade, Naughty Dog, vous êtes malade. Putain. Mais non. T'es vivant. Oh, mais tu vas le voir mourir, Ellie. Oh, putain. C'est quoi ça? Ok, on s'en fout. Oh, ok, j'y suis. Mais je vous jure, je suis pas bien. Je vous jure que je suis pas bien. C'est le seul jeu vidéo qui arrive à me procurer des trucs comme ça. C'est pas... Joël ! Tommy ! D'où est-ce que ça vient ? De quoi, d'où est-ce que ça vient ? Elle a entendu les tirs, ok, je pense que c'est ça. Oh, puis comme un connard, je fouille encore. Joël. Merde. J'ai entendu les cris. Putain, faut que je me prépare mentalement là. C'est incroyable, parce que putain, c'est impossible. Comment ils arrivent à me retourner le cerveau comme ça? Putain. Non. Cours, putain. Laissez-le ! C'est qui ça ? Elle s'est infiltrée ! Mais merde, vous deviez pas monter la garde ? On pensait pas que quelqu'un viendrait ! Vous êtes con ou quoi ? Faut se tirer d'ici avant que toute la ville nous tombe dessus. Ça suffit. Tu fais la même chose que moi.
Tue-le. Vite. Joël, lève-toi. Joël, lève-toi, putain. Pitié, fais pas ça. Pitié, non, fais pas ça. Joël, allez, lève-toi. Non, non. Ah, c'est bon, on a compris, vas-y. Putain. Salut. Salut. Est-ce que je peux m'asseoir ? Bien sûr. Putain, je tremble. Maria veut que tu manges quelque chose. Elle pourra pas nous arrêter. Si on veut faire les choses comme il faut, on aura besoin de renforts. Et Jackson se retrouvera sans protection. Oh putain. On va les laisser s'en tirer comme ça. C'est pas ce que j'ai dit. Ouais, mais c'est ce qui va se passer. Et si d'autres chasseurs nous attaquent ? C'est toi qui dis ça, ou c'est elle ? Elle a pas vraiment tort. Si ça avait été toi ou moi, Joël serait en route pour Seattle depuis longtemps. Ça m'étonnerait. Évidemment que si, putain de merde ! D'abord, on n'est même pas sûr qu'ils viennent de Seattle. WLF, Front de Libération de Washington, c'est pas ce qui était marqué sur leur veste ? Ils les ont peut-être volés. C'est... Le WLF a peut-être changé de zone. Tu me fais quoi, là ? Tu sais quoi ? Demain, moi, je m'en vais. Si tu m'accompagnes, tant mieux. T'as aucune idée de ce qui t'attend là-bas. Tu sais pas combien il y aura d'ennemis, s'ils seront armés. Je m'en fous, ok ? Tu me feras pas changer d'avis.
Donne-moi un jour pour parler à Maria. Ok? Elle pourra bien se passer de quelques hommes. Et si elle n'est pas d'accord? Alors je trouverai une autre solution. Un jour. S'il te plaît. D'accord. Ok. Ok. Passer chez lui avant de partir. J'ai un truc à récupérer. D'accord. Je vous jure, j'ai envie de la détruire, l'autre grosse pute. Et je le savais. Je le savais. C'est... Je l'ai compris depuis bien trop longtemps. Quand j'ai compris que... Au moment de la horde, je me suis dit, il y a quelqu'un qui va nous sauver, je crois que ça allait être Ellie. Et en fait, c'est Joël, quoi. Joël, il la sauve et elle le bute. Et on sait toujours pas pourquoi elle bute Joël. Sûrement Joël, il a dû buter, je sais pas, son mec, sa mère, je sais pas, quelqu'un. Il a dû faire un truc atroce pour qu'elle vienne le buter. Parce que si elle le bute juste comme ça, c'est nul. Par contre, si elle l'a buté... Je suis désolé, j'ai plus de voix. Si elle l'a buté parce que il a fait un truc horrible, alors je comprendrais le cheminement de voilà, tu te mets à sa place et tout machin. Par contre, si elle l'a buté pour un truc de merde, là je serais dégoûté, vraiment je serais dégoûté. Donc je pense que il faut vraiment que la raison elle soit forte, qu'elle soit très très forte. Putain de sa mère. Ah, je vous jure, je suis pas bien. Putain. Faites chier, nos petits deuils. Je savais en plus que ça allait être ça. Je le savais. On a tous eu nos théories. On s'est tous dit, ouais, il va mourir et tout. Moi, je pensais qu'il allait mourir, mais pas comme ça, quoi. Putain. C'est atroce, la mort, elle est atroce en plus. Putain de Tommy. On trouvera une autre solution en chemin. Une voiture, un cheval, autre chose. Ok. J'ai plus envie de fouiller là. Plus dur d'atteindre Seattle. Alors ce sera plus dur. Encore changer d'avis, tu sais. Je sais. Je veux juste pas que tu te sentes obligé de venir. Ellie. Si tu pars, je pars. À penser tout. On va récupérer la guitare, je pense. Dans la logique. Pour aller chercher ton sac à dos. Je l'ai caché près de l'entrée est, pour qu'on puisse s'éclipser. Oui, j'ai quand même envie d'aller fouiller les maisons, là. C'est plus fort que moi.
Oh putain que c'est dur bordel. Oh là 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 là. Quel jeu de malade, quel jeu somptueux, mais putain, quel dénouement, quelle histoire, c'est incroyable. J'en peux plus là. Pourquoi vous avez fait ça? C'était logique en même temps. Mais... Et je vous jure, la raison pour laquelle elle a buté Joël, elle a l'intérêt de solide, vraiment, vraiment. Parce que s'ils nous l'ont fait incarner, c'est pas pour rien. Ça c'est stylé, hein, n'empêche. Joël Miller, ouais. J'ai des frissons, je suis pas bien, je vous jure, je suis pas bien. Putain. Ouais, je tremblais aussi tout à l'heure. Je vous ai montré vite fait, je tremblais, quoi. Je peux y aller, dis-moi ce qu'il te faut. Je veux le faire. Je vais bien. On va sûrement voir une photo de Sarah, je pense. Je vais t'attendre ici. Merci. Ça ressemble vachement à la maison où Joël il va rechercher Ellie là. Dans le premier. Quand elle dit tout le monde m'a laissé sauf toi, putain. C'est Ellie qui lui a fait ça. C'est bien Ellie, c'est bien. C'est beau. Là, elle a clairement perdu son père, quoi. Clairement. Deinonychus. C'était une bonne journée. Tâche. T'as c'est malaisant, c'est trop chelou, putain, comment je me sens là. Comment ils ont réussi à faire ça, quoi. Je peux y aller là ou pas? Non, c'est des rideaux. Oh, tu sais. Mon cerveau il suit plus là. Ça tasse. Ouais, j'ai même pas envie de regarder le journal là, hein, je vous avoue. Putain, par contre, la vengeance, je vous jure, je vais les déboîter. C'est pour ça que le jeu, je le ferai plusieurs fois. Je vais les déboîter. On va leur niquer leur race. Laisse tomber, quoi. Ah, t'es triste, hein, ma grande. C'est quoi de ton destin là? Putain. Oui, on va récupérer la targhee. Joël, passer l'aspirateur. Je parle déjà de lui au passé et je me déteste. Je me déteste. Donc en fait, ce qu'on a vu quand il mettait la main sur la bouche de Ellie. C'était du faux, quoi. Putain. Elle est là, la guitare. On va la prendre après. On va les fouiller un petit peu. Ouais, faut pas oublier qu'ils ont... que c'est rudimentaire, quoi. C'est le bon mot? Ouais, on va dire que c'est le bon mot. Oh putain. Pff, la montre. C'est con, mais rien que ça, c'est une image forte, quoi. C'est quand même ouf. Le sang, c'est quoi? Celui de Sarah, peut-être? Je sais pas trop. C'est
Ça, je sais pas ce que c'est le bandage. Ça, c'est la guitare qu'on peut acheter, les enfants. Elle est dans le commerce. Tout va bien ? Je t'entends à peine, Dina, désolé. Ah putain, je l'avais dit, la photo. Sarah, tu serais tellement triste. Tu serais tellement triste. T'as la sale ambiance, quoi. Désolé pour le let's play, hein. Mais sale ambiance, quoi, carrément. T'as Joël, tu collectionnes des trucs chelous, mon pote. Ouais, la guitare là que vous voyez, elle est à 2 300 $ si vous la voulez, hein. Objet de collection. Ah, je crois qu'il fallait la récupérer maintenant. Oh, vas-y, je me casse. Je pense que c'est son arme en fait, finalement, qu'elle voulait. Mais là, ça me rappelle, c'est pareil quand Sarah, au début du jeu, elle est comme ça, un peu. Un peu, je sais pas où là. Maria, je pars pour Seattle. J'ai essayé d'oublier, mais j'y arrive pas. Ces gens paieront pour ce qu'ils ont fait. Ellie va essayer de me suivre, mais tu dois l'arrêter. Prends-lui ses armes. Enferme les chevaux. Elle aussi, s'il le faut. Fais-moi gagner du temps pour régler ça. Ton mari qui t'aime, Tommy. Cette mission, c'est du suicide. Il aurait dû m'emmener avec lui. T'aurais dû nous donner des hommes pour traquer ces enfoirés. Je l'aurais fait si j'avais pu. Alors, tu comptes m'enfermer ? Je voudrais que tu restes. Eh ben, même pas en rêve. Je voudrais que tu restes, mais je te connais. Tu l'accompagnes ? Ouais. Alors, vous allez filer en douce. Hmm ? Ouais. À pied ? Ouais. J'ai dit aux écuries de te laisser partir avec ton cheval. Prends des munitions aussi. Merci, Maria. Ellie, rends-moi un service. Ramène mon abruti de mari en un seul morceau. Très bien. Alors partez. Pendant qu'il fait jour. C'est beau, hein. Un chasseur le maintenait comme ça, pour le noyer. Et Joël pouvait pas atteindre son arme. Bordel. T'as eu peur ? J'ai même pas réfléchi. J'ai couru, j'ai attrapé son arme et je lui ai tiré une balle dans la tête. T'avais quel âge ? 14 ans. T'avais quel âge la première fois que t'as tué quelqu'un ? Tu parles désinfecté ? Non. D'un vrai être humain, non infecté. 10 ans. Waouh. Il s'est passé quoi ? Un type a attaqué ma mère. Je l'ai poignardé. Putain. Tu m'as battu. Eh ouais, faut pas me chercher.
On serait pas un peu paumé là? Non, pas du tout. Mais fais-moi confiance. Mais écoutez, vous savez quoi? Je pense qu'on va s'arrêter là. Vous avez rencontré Joël et toi. Ils vous sont tombés dessus une fois. Peut-être qu'ils ont un lien avec le WLF. Non, je pense pas qu'ils fassent partie du même groupe. Et pourquoi pas ces contrebandiers que vous avez croisés à Boston? Joël avait pas mal d'ennemis, Dina. Tu perds ton temps à chercher un responsable. D'accord. On en reparlera dès qu'on aura plus d'informations. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter ici. Pour ce troisième épisode. Et puis on partira tranquillement pour le quatrième. Je vais l'enchaîner tout de suite là, mais pour YouTube, voilà, j'enchaînerai. Enfin bref, vous m'avez compris. On s'arrête ici, franchement. C'était ouf là. Rien que ce qu'on vient d'avoir là, c'était trop ouf. Je suis sur le cul quoi. Ils sont malades chez Naughty Dog, ils sont malades. Ils ont joué avec mon cerveau là. J'aime pas qu'on joue avec mon cerveau. Bref, merci d'avoir regardé cet épisode. Et je vous dis à la prochaine pour la suite du Let's Play sur The Last of Us Part 2. Et puis voilà. À la prochaine, allez, ciao. Peace.